Laetitia Hallyday a 43 ans, premier anniversaire difficile sans Johnny. Ce n'est pas dimanche comme les autres pour la veuve du rocker. Ce dimanche 18 mars 2018, alors que David Hallyday brise le silence dans une longue interview aux Parisiens, Laetitia Hallyday célèbre son premier anniversaire sans Johnny. Ce 43e anniversaire a forcément un goût amer pour la maman de Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, puisqu'il intervient en pleine bataille judiciaire avec les aînés de Johnny, et 3 mois à peine après la mort de l'homme de sa vie. Comme le Nugala FR, la photographe YKUltremelebro a souhaité un joyeux anniversaire à son amie Laetitia sur Instagram. C'est à elle que l'on doit quelques-unes des plus belles photos de Johnny et son épouse, avec leur fille Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, notamment lors de leur dernier, étaient tous ensemble à Saint-Barthélemy. Cette attention a dû toucher Laetitia, qui a besoin plus que jamais de ses fidèles dans l'épreuve que traverse la famille Hallyday. On sait notamment qu'elle peut compter sur l'ancien producteur et ami de 30 ans de Johnny, Jean-Claude Camus, Jean Renaud et bien sûr sur ses meilleurs amis, la brillante chef Hélène Darroze. De très nombreux amis, eux, et se sont manifestés depuis ce matin auprès de Laetitia, sans pour autant écrire « Joyeux anniversaire » sur Instagram, pour éviter des insultes nauséabondes comme certains en ont reçu. Pour les 40 ans de Laetitia, Johnny lui avait organisé une superbe fête à New York pendant 3 jours avec leurs amis proches, des amis toujours très présents. Jeudi 15 mars, au tribunal de grande instance de Nanterre, a eu lieu la première audience. David Hallyday et Laura Smet ont assigné Laetitia, entre autres, pour obtenir un droit de regard sur le dernier album de leur père. S'ils ont obtenu de la justice un renvoi au 30 mars, comme ils le désiraient, Laetitia serait sereine selon son avocat Maître Ardavan Amir Aslami. Sur RTL, après la première manche, il déclarait « Elle n'est absolument pas inquiète, et profondément convaincue qu'elle a la loi et le droit avec elle. Elle a confiance en la justice française. » D'autant qu'un document, révélé samedi par BFM TV, atteste que Johnny Hallyday a validé les 10 chansons de son album auprès de sa maison de disques, Warner Music, en novembre. Soit 3 semaines avant sa mort. C'est donc un album post-mortem et pas posthume. Si les aînés de Johnny, comme le dit ce dimanche David dans Le Parisien, s'estiment en droit de demander à écouter l'album avant sa sortie, et de pouvoir décider de son sort, la justice pourrait donner raison à Laetitia à la lumière de ce document. Réponse dans quelques jours.